Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la suite avec Youssef Fares. Aujourd'hui, il faut qu'on valide la première place dans ce groupe E de Ligue des Champions. On va jouer contre le club portugais, donc on peut mettre même Monaco un petit peu à l'abri si on gagne. Donc voilà, au niveau du championnat, j'ai joué deux petits matchs juste avant. Donc on a gagné, on jouait contre le dernier contre Valence, donc on est actuellement deuxième. Voilà, on n'a qu'une seule défaite, un match nul. Le Real Madrid sont premiers avec 25 points, ils ont zéro défaite. Donc voilà, Villarreal qui sont un petit peu descendus malheureusement, ils sont huitièmes, qu'on va jouer du coup aujourd'hui. On va jouer face à notre ancien club, donc ça sera le troisième match. Donc voilà, juste après encore un petit match de championnat. Et ben on est parti. Ah oui, les 90 de général, ça y est, on a les 90 de général, donc on vaut 179 millions d'euros, je crois, quelque chose comme ça. En conduite de balle, on a plus de 100 en attribut. Donc on va voir un petit peu ce que ça va donner, ce que je vais le ressentir ou pas en jeu, je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est qu'il va falloir que je remette une étoile en mauvais pied, parce que mon mauvais pied, j'ai que 3 étoiles malheureusement. Donc ça, va falloir que je le remette, parce que du coup, bah, toutes mes frappes du pied gauche vont pas être... incroyable. Allez, et au classement des buteurs, bon bah ça n'a pas trop changé par rapport à l'épisode précédent, auquel si vous ne l'avez pas vu, n'hésitez pas à le voir, hein. On a changé de coupe comme vous pouvez le voir. On s'est également pris une bonne petite clim, on a voulu jouer les moments forts avec un seul joueur, donc du coup en incarnant que Fares. Et malheureusement ça nous a coûté un petit peu cher en fin de match, donc on s'est pris une sacrée clim et on a marqué aussi deux jolis buts en Ligue des Champions. Donc on frappe un petit peu à Lorenzo Nazario et une petite reprise de volée. Bon, ces deux buts là vous pouvez les retrouver sur mon TikTok. Oh magnifique, ça commence déjà bien. Quatrième minute, Lemar. Allez, il faut l'aider, lui proposer des solutions. Ah, l'action était bien partie et finalement c'est perdu. Il y a eu un espèce de petit bug là sur la récupération du ballon. Je sais pas, le joueur il a un petit peu... C'est bien parti pour ce corner. Oh let's go. Let's go. Bon c'est pas une passe hein, mais c'est une reprise, mais bon. De toute façon je crois que c'est même retouché, je suis pas sûr. Ah non. Donc ils vont peut-être m'attribuer la passe quand même. Let's go. David Neres. Ouais, il est très très bon ce ballon. Oh, il est très très bon ce ballon. 42e minute, réduction du score. Bon, Monaco qui gagne 1-0 pour l'instant. Ils conservent leur deuxième place. Allez, catastrophique hein, cette seconde période. Marais, c'est pour toi. Oh là, je te l'ai bien donné. Hein. Allez, frérot. Let's go. Et la transition offensive est parfaitement réalisée dès la récupération. C'est pour Kulusevski. Donne. Ok. Oh le tir. Oh là là. Ah, il prend sa chance de loin. Le sauvetage d'Oblak. C'est vraiment un match. C'est pas terrible. Un corner qui est bien ajusté. Aïe aïe aïe, la mauvaise relance. Et du coup, attention derrière. Oh, ça c'est bien joué par contre. Ça c'est bien joué. Et le contre est possible maintenant. 2 minutes de temps additionnel. Ah, mais il n'y a plus de gardien. Il n'y a plus de gardien. Let's go. Le gardien a déserté. On le revoit, le but était grand couvert et donc ça finit en fond, ça prend des difficultés. Bon, on s'en sort bien dans ce match. Hein. 4-1. Ce but nous remonte vraiment notre note. Mais alors, quel match de merde qu'on a fait quand même. Un but, une passe D. Fares, un but, une passe D aussi. Oh, Manchester City qui ont perdu face au club belge, je crois. Alors, Monaco, ils sont bien, 6 points. Oh là là, City, ils sont derniers, bordel. Mais what? Oh, Villarreal, Villarreal, ils sont bons. C'est bien, 4 points. Mais alors, City, c'est vraiment la surprise, hein. Parce que Manchester City, au vu de l'effectif qu'ils ont, bordel. Je pense qu'on va jouer ce match-là. C'est une petite équipe. Ça devrait le faire. Donc, on va jouer en temps fort. On va jouer avec toute l'équipe quand même. Le centre dans la surface. Il y a du monde. Dommage.
Ok, bon, on a déjà niqué une première occasion. Mais attendez, mais... Peut-être l'occasion de mener non. Oh, mamma mamacita. Par contre, pourquoi Youssef Fares était complètement en défense, là? Oh là là, mais c'est n'importe quoi, le placement des joueurs. Et attention à cette frappe. Oh, dommage. C'est contré, sans problème. Ok, Mahrez, on en vient. Oh, attention à ce ballon. Oh, mais c'est pas possible. Mais c'est pas possible. Je me nique le match à moi tout seul. Père Mila, il s'appelle lui? Non. C'est récupéré. Coup franc. Ah, mais je sais pas les tirer, les coups francs, bordel. Je vais tenter quand même, mais. Il y a danger, oh. Parce que là, il y a un centre. Ouais, c'est un ballon bien dégagé. Récupère. Ok. Mahrez. Mahrez. Toujours 0-0, bordel. Hein. Là, il y a Mahrez qui est bien placé, là. Oh non. Ok, c'est bon. Ça fait but. Ça fait but. On a vraiment de la chance, hein. On a vraiment de la chance qu'on a cette action parce que. Bon, faut déjà la mettre au fond quand même. En bonne position pour frapper. Et but ! Le but qui fait mal ! Et voilà, c'est donc... Oh là 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 là, on a marqué dans le dernier moment fort, bordel. On s'en sort vraiment bien. Ok. Villarreal. Let's go. Oh, le match il va être très 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 spécial pour le coup là. On est deuxième. Du coup, Villarreal, ouais, ils étaient huitième. Ah, malheureusement, ah, ils sont remontés en plus septième. Ok, let's go. Oh, ça va tellement être bizarre de pas être sous le maillot jaune. Let's go. En vrai, ça me dérangerait même pas de perdre aujourd'hui face à Villarreal. Oh. Quand on joue à ce niveau. Le meilleur moyen, c'est de se concentrer sur le match sans penser au contexte, aux réactions. Mahrez. Attention, ça peut faire but. Et oui, c'est de bien joué, 1-0. Quelques minutes de jeu. Avec le ballon, c'est Villarreal. Faut tenter quelque chose. Attention à ce tir. Bien joué, Oblak. Exceptionnel. Bien joué. Rencontre difficile. Pas beaucoup de cases jusqu'à là. Dans les tribunes, on attend beaucoup de ce corner. En deux temps. Ah, c'est Dybala. Et Dybala, il a pris mon numéro. Dybala, il a pris mon numéro 9. Le ballon pour Danyuma. Ah, les supporters apportent la frappe. Tir contré, sans attention. Difficulté. Okay. Un ballon intercepté. Tout va bien. Bonne intervention. Ça joue sur Locatelli. Ça continue avec Anderson Talisca. Ouais, on tacle dans la. L'Atlético dans la surface. Pas le ballon plus souvent que son adversaire. Et pourtant, ce qui est intéressant avec cette équipe. Dans la surface, qui arrive à centrer. Très important de la Ligue à Santander, Villarreal a fait Real. Oh, bien joué ça. Et oui, et quand tu aimes la passion, l'engagement et le football. Bien joué. Oh, ça joue bien là. Oh, ça joue très très bien. Ça joue très très bien l'égalisation de Villarreal. Oh, c'est franchement, c'est mérité. Hein. On le voit, c'est les images. Ce n'est pas le but non plus. Hop, oh, le petit, la petite feinte. Non, le plus difficile, c'est d'avoir l'idée. Hop. Là, avant les autres. Et Mahrez va laisser sa place. Allez, passe s'enchaîne. L'ouverture ne devrait pas tarder. Ah non, l'équipe adverse là, qui intercepte. Là où tu. Oh, ce ballon de Félix. En excellente position. Et c'est dedans. Le but qui leur permet. Voilà. On s'excuse évidemment. Évidemment, on s'excuse. On va pas célébrer. On voit bien le ballon lobé en profondeur qui passe par-dessus tout le monde. Et derrière, Laurent contre un gros boulet de canon dans le filet, hein, histoire de se faire plaisir. Ça fait mal de marquer contre son club auquel on a fait tellement de belles choses, bordel. 10 buts en 11 matchs pour nous. C'est pour Kulusevski. Là. Hop.
Oh, oh là 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 là, il fallait nous sortir une masterclass Félix là. Et puis nous ce petit ballon piqué légèrement pour lui. Le ballon vers Joao Félix. Faut qu'on fasse attention quand même. Hein. Faut qu'on fasse attention parce que. Très peu de temps encore à jouer l'équipe. J'ai quand même envie de partir avec les 3 points. Ça me fait chier pour Villarreal, mais. Pas plus loin, ce ballon est perdu. Mais bon, faut pas abuser quand même. Il y aura donc 2 minutes de temps additionnel à jouer. Oh, la balle de match. Voilà. Oh. Oh non. Oh non, je suis à court. Oh non. Ah, dommage. Bon bah voilà, victoire 2-1. Du coup, classement, et bah voilà, 28 points. Ouais, on aurait perdu, ça aurait fait chier quand même. Hein. Ça aurait fait chier. Bon, malheureusement, c'est bête pour Villarreal parce que là, du coup, ils descendent de 8e. Ah, ça va, ils ont pas encore, ils ont pas perdu non plus trop cher en vrai. Donc voilà. Donc nous, on est 2 points devant le Barça. Bon, au niveau du calendrier, il va falloir valider la Ligue des Champions. Donc je pense que là, on va se retrouver vraiment. Et on va se retrouver là pour le FC Barcelone-Real Madrid. Donc là, moi, je vais jouer tous ces matchs-là. Les matchs de championnat, je vais sûrement simuler ou jouer les moments forts. Enfin, jouer les moments forts surtout. Les Ligue des Champions, on aura juste à valider, à faire une victoire. Donc ouais, on se retrouvera du coup pour le Barça et le Real Madrid. On joue les demi-finales de la Supercoupe. De la Supercopa. Oh putain. Oh là 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 là. Bon, ok. Il y aura le ballon d'or juste ici, là. Donc, c'est parfait. C'est parfait. Je crois que le ballon d'or, c'est le 10. Le 10, il me semble, quelque chose comme ça. Donc, c'est parfait. Donc, voilà, on va se retrouvera pour le résultat du ballon d'or. N'hésite pas à mettre le petit pouce bleu à la vidéo, à t'abonner à la chaîne si c'est toujours pas le cas. Mettre le petit commentaire, comme d'hab. Et on se donne rendez-vous, du coup, très vite pour la suite. Ciao tout le monde.